partir de sa convocation que nous prenons au pied de la lettre, c'est-à-dire sans remettre en question puisqu'il s'agit d'un projet. Sinon, monsieur le maire, monsieur le ministre, s'il ne s'agissait pas d'un projet de budget, on devrait aller plus loin que ce. La stratégie nationale de suivre le développement, qui s'arrête en 2030, ne peut pas balayer tous ces domaines. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait ajouter à ces programmes, mais il s'agit d'un budget. Si, avec votre permission, vous continuez à mener une réflexion pour que nous puissions. Ceci au-delà. Quand je parle de ça, je parle du centre de cancérologie. Vous en avez parlé, des soins, mais il faut penser à un centre de cancérologie. Au Cameroun, il y en a, en Afrique, il n'y en a que un troisième en construction au Gabon. Ce que nous donnons comme traitement, c'est des traitements palliatifs. Traitement gros, lourd, ce genre de maladie. Puisque nous nous attendons toujours à parler du paludisme, du sida, du VIH et de la tuberculose, le cancer tue autant. J'étais à une veillée. Quelqu'un s'est amusé à dire que, mais est-ce qu'on lance déjà ça? Il n'y a pas de bassin dans la salle. Qu'on lance déjà ça comme le sort chez le bassin. Parce que le tas de gens qui meurent du cancer, c'est très important, le nombre est important. Excusez-moi, monsieur le ministre, de revenir sur ce sujet. Pour lequel vous avez donné quelques réponses pour attirer davantage votre attention. L'émiettement des investissements, c'est quelque chose qu'il faut progressivement bannir. Il faut qu'on décide, au lieu de mettre un centre, un soin, voilà l'autre aujourd'hui. Construisez un centre pour éviter les évacuations. Les évacuations coûtent cher, très cher. Je vous parle en connaissance de cause. Quant au comportement de vos collaborateurs, ce n'est pas eux qui veulent. Le salaire est très mis. C'est pour cela que. Ils prennent des résultats, ils amènent des malades dans des centres où ils officient. Il y a une expérience en Afrique du Sud. Je souhaite que vous y envoyez vos collaborateurs pour voir comment ça fonctionne. N'étant pas technicien, on m'a expliqué ça, mon collègue m'a expliqué ça de manière rapide. Qu'est-ce qu'ils font dans le même hôpital, dans l'hôpital de référence de Yaoundé? Le malade, le médecin traitant, a un certain nombre de malades. Parmi ces malades, l'hôpital décide que tant c'est pour l'État, les autres, on leur donne des lits dans le même hôpital. Ils poursuivent le soin, ils se partagent les recettes. Une partie à l'État, une partie au médecin. Le médecin dira plus au quartier. Ce sont ces malades. On leur donne le lit. On lui donne l'autorisation de travailler à l'hôpital. Voilà une expérience. Si vous envoyez vos collaborateurs, peut-être ils pourront approfondir cette expérience-là et apporter celle-ci.
Il y a aussi cette histoire de salaire. Quand le salaire est diminué, on ne peut pas. Le pouvoir d'achat diminue. On développe aussi un pays par le pouvoir d'achat. Quand vous avez des moyens, vous investissez et vous allez acheter ça. Ce n'est pas pour rien qu'on parle, qu'on dit que l'argent est un touchement. Vous touchez et ça revient. Et ça fait développer le pouvoir. Ça, c'est pas reporté, mais la réflexion est jetée dans la mare. Il y a aussi il y a un autre élément que j'ai relevé. Peut-être que je peux me répéter, excusez-moi si je me répète. Je voudrais donc, pour éviter de me répéter, je voudrais donc, en même temps que je vous adresse mes félicitations, une fois de plus, j'adresse nos remerciements au chef de l'État. Président, il y a quatre plus soin de maître dans toutes les régions des hôpitaux de référence. Ça, il faut le reconnaître. Je suis allé l'autre jour à Bercois, je suis de Bercois. Je ne savais pas qu'au niveau du cancer, il y avait un centre aussi développé. Je n'ai pas pu y pénétrer pour voir l'état des plateaux thermiques. Je me dis que l'extérieur a déjà donné l'image de ce qu'il y a à l'intérieur. Je me dis que les encouragements aussi, monsieur le ministre, si j'ai la permission de vous dire, je dis mes remerciements une fois de plus au président de la République. Je suis un ancien PCA à l'hôpital. On a connu des problèmes, tous les problèmes que vous avez évoqués ici. Vos collaborateurs ont mis la main dans la pâte, beaucoup de solutions, de problèmes se sont résolus. Je vais vous dire tout simplement, comme disent les latinistes, duc in alto, aller de l'avant, pour permettre vos collaborateurs sur le prochain. Mais n'oubliez pas que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je vous remercie. Merci, monsieur.